Et si Martin Fourcade était la surprise du prochain Tour de France ? Non, non, la star du biathlon mondial n'a pas déchaussé ses skis pour commencer une nouvelle carrière de cycliste professionnel. En stage à Valoire pour une reconnaissance d'étape du prochain Tour de France, la formation bretonne Fortuneo Vital Concept a pu compter sur un équipier de luxe, donc, en la personne de Martin Fourcade, champion olympique et champion du monde de biathlon. Au programme de cette reco, deux gros morceaux, le col de l'Izoard et le col du Lautaret, une sortie de 80 km avec 3000 mètres de dénivelé. Ambiance détendue, partage d'expérience, mais avec les sportifs de haut niveau, la compétition n'est jamais loin. Et d'où Sepúlveda et ses équipiers de Fortuneo n'ont pas ménagé un Martin Fourcade passionné de cyclisme. L'hiver c'est ski et l'été c'est vélo, donc c'est quelque chose que je fais. Après on discutait tout à l'heure et ils disaient qu'ils avaient aux alentours de 12-15 000 km et moi je disais qu'ils avaient aux alentours de 1000-1500 km, donc voilà, 10 fois moins quand même. Ça, je pense qu'au bout d'une journée et surtout sur l'enchaînement et dès qu'il faut se mettre à fond, ça compte vraiment. À l'arrivée en haut du col du Lautaret, l'ambiance est toujours détendue malgré les kilomètres d'ascension. Ah bah c'était une belle expérience, une belle sortie avec des mecs tous très sympas. Et ça roule un peu plus vite que ce que je fais quand je suis à la maison. Quand même, l'Izoard, la fin de l'Izoard a été montée à un bon rythme. Et après, là, sur le Lautaret, il y avait pas mal de vent. Donc en se mettant dans les roues, c'était assez confortable, on va dire. Mais c'était une belle sortie malgré le mauvais temps. Une sortie instructive pour les hommes du manager Emmanuel Hubert qui ont pu partager leur expérience avec celle de Martin Fourcade. Avec son palmarès et toutes ses victoires, le biathlète français a sûrement donné des envies et des idées au coureur Fortuneo Vital Concept pour le prochain Tour de France.